ce nouvel élan, on va le mettre en place et on va le faire vivre à partir d'aujourd'hui au sein donc d'une ADFIG que l'on souhaite beaucoup plus présente, beaucoup plus active dans l'ensemble du process d'organisation de ce festival de la géographie, même si, et on va y revenir, la partie purement scientifique revient aux géographes, mais tout le reste, Dieu sait que c'est important aussi, tout le reste eh bien, nous revient, et quelque part, on peut le dire aujourd'hui, le FIG 2015 dépend de nous, dépend de vous. La prochaine édition du FIG 2015 se prépare activement. Emmené par Patrick Schmitt, coordinateur du festival, des techniciens de la ville de Saint-Dié, des passionnés de géographie bénévoles et des élus ont créé les indispensables et pragmatiques commissions de travail. Tous les moyens pour le bon déroulement du festival seront pensés et mis en œuvre. Exposition, animation, gastronomie, communication, animation en ville et même décentralisation du festival. Lors de cette réunion, le maire David Valence a annoncé les nouveautés dans la direction de l'ADFIG et dans l'équipe de coordination. Pour mémoire, nous avons élu lors de la réunion précédente deux vice-présidents, je crois, trois vice-présidents, Monsieur Huguenot, ici présent, que chacun connaît, Monsieur Humbert, cher Étienne, ici présent, Madame Briantet, qui n'est pas là, mais qui a également été élue vice-présidente. Mais je voulais également vous présenter la personne qui, aux côtés de Patrick Schmitt, désormais assurera une présence et un travail ici à l'Association du développement du Festival international de géographie, à mi-temps, puisqu'il partagera son temps entre la mairie et cette association. Il s'agit donc de Jérémy Stouvenel, qui viendra donc en appui de Patrick Schmitt, qui a fait l'année dernière pour réussir ce premier festival, je dirais, peut-être pas du passage de témoin, mais ce FIG plus républicain encore que d'habitude, puisqu'on avait bien mené les choses avec Christian Pierret. Le président fondateur Christian Pierret a quant à lui annoncé un changement important à la présidence de l'ADFIG. Puisque Louis Maroux, pour des raisons professionnelles, est obligé de nous quitter, il sera très souvent dans les îles de l'Atlantique, très loin d'ici, fait que nous sommes heureux d'accueillir un nouveau président fidèle du FIG, ancien responsable également, je crois il faut le souligner, des cafés géographiques pendant toute une période. Saint-Dié est vraiment pour nous une vraie étape et un moment au cours duquel, avec le contact que vous nous offrez, une occasion unique de faire en sorte que notre travail scientifique ne soit pas quelque chose qui tourne dans le vide, qui soit que de la géographie dont on reste souvent dégoûté, à défaut d'être nostalgique lorsqu'on voyage. Du voyage, il y en aura, Saint-Dié-des-Vosges, du 2 au 4 octobre. Le pays invité est l'Australie, le thème, les territoires de l'imaginaire. Mais nul doute, toute l'équipe du festival a les pieds bien sur terre pour entretenir le succès et la notoriété de cette manifestation.